Eh bien, salut à tous les amis, c'est McFly86, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Fishing Planet sur un tuto pour attraper donc un poisson historique. Donc on va aller à New York au lac Emeraude. Alors je tiens à remercier le démon 51 et Captain Haddock pour leurs commentaires sur la précédente vidéo, et plus particulièrement le démon 51 pour ses petits conseils. Il m'a dit voilà, parce que lac Emeraude, concrètement, j'y ai pas été depuis une éternité, pour attraper le brochet maillet historique. Je crois que lui y est d'ailleurs actuellement, voilà, il y est, donc on va le rejoindre. Il le sait pas forcément, mais on va le rejoindre. Et du coup, alors on va s'équiper. Donc c'est pour ça qu'il me faut, il vous faut la cuillère 14 grammes, voilà, ondulante 14 grammes, blanc et rouge, il vous faut celle-là. Voilà, donc c'est parti. Donc dans ma vidéo, j'avais dit que j'enverrais des cadeaux, donc c'est déjà fait. Si Captain Haddock et le démon, vous pouvez me confirmer la chose dans les commentaires, comme quoi vous avez bien reçu les cadeaux, ça serait cool. Donc je leur ai envoyé cuillère, feu d'artifice, voilà. Enfin, cuillère, pour le moment, j'en avais qu'une, donc du coup, j'en ai envoyé une au démon. Captain Haddock, dès que j'en gagne une, je te l'envoie sans souci. C'est juste que, bah, vu que j'ai eu des infos voilà, on va le rejoindre. Vu que le démon, il m'a donné des infos pour le poisson historique, bah, du coup, j'ai privilégié la cuillère pour lui. Donc c'est parti. On va lui dire bonjour quand même. Je sais pas où il est lui. Je le vois même pas. Ok, je suis dans sa salle, mais je ne le vois pas. Donc. Ouais, ça c'est un mort. Hop, on se met ici. Et comme d'habitude, on va jeter. C'est pas ma canne habituelle. Je vais pas lancer aussi loin que d'habitude. Normalement, ici je lance à plus de 60 mètres. Et là, 48 mètres, c'est de la merde. Hop, et on ramène en tout droit, vitesse 2. Et là, le brochet maillé, normalement, on va s'en gaver. Alors, ouais, sauf si ça fait comme ça. J'ai pas du tout ma canne habituelle. J'aurais peut-être dû prendre l'autre. Malheureusement. On va voir ce que ça donne, à mon avis, là ça va être chou blanc. On va rien prendre pour se lancer là. Voilà. Vu qu'elle est en surface, c'est un peu la merde. Alors je vais voir si je peux pas prendre une autre canne que ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, j'ai que des cannes après pour pêcher au bouchon. Ça, je vais pas pouvoir mettre de 14 grammes. Voilà. Bon, on va se contenter de celle-là, les amis, pour le moment. Je vais juste tout simplement mouliner moins vite. Tellement longtemps que j'ai pas pêché ici, quoi. On est accroché comme d'habitude. C'est le passage des nénuphars. Voilà, on en a un. Alors qu'est-ce que ça va être, par contre, je ne sais pas. Alors je risque de les perdre, malheureusement, parce que bah, vous voyez, brochet maillé historique, il en prend. Donc, brochet vermiculé trophée, d'accord. On s'en fout, on garde quand même, mais c'est pas ce qui nous intéresse. On veut l'historique. Donc apparemment, il fait
pas loin de 2 kilos. Donc il est là avec nous. Je vais pas lui dire que je fais une vidéo. Il le verra par lui-même. Tu t'occupes de ton petit, mais il n'y a pas de souci, mec. C'est normal. Bisous à ton petit, d'ailleurs, au passage. Je ne le connais pas, mais c'est pas grave. Dédicace à lui. C'est pas folichon, hein, les amis. Alors, c'est que je lance pas très loin, donc c'est un peu chiant. J'aurais dû prendre ma canne que je prends d'habitude. Après, je sais, il m'a dit avec quoi il pêchait, mais je sais pas où il lance exactement, dans quelle zone. J'en sais rien du tout. Donc là pour le moment on a juste pris un petit brochet vermiculé, bon trophée quand même, mais voilà quoi. Après je pense pas être à la bonne heure non plus. Alors, je vais voir ça. Ce que je vais faire une petite ellipse, les gens, le temps de voir un peu les horaires, tout ça, voir à quel moment ça mord le mieux, et je vous dis à tout de suite. Ok, re les amis, alors là j'espère que cette fois-ci c'est le bon, parce que ça fait au moins 1 heure que j'ai lancé la vidéo, ça fait au moins 1 heure que je suis en ellipse, que je suis avec le démon, lui il en est à son 6e, moi j'en ai toujours pas pris un seul. Bah non, c'est toujours pas bon. Bon bah voilà. Alors je fais des brochets maillés trophées, je fais de la perche chaude trophée, tout ça. On pêche exactement au même endroit avec la même technique et moi je n'en prends pas un seul. C'est plutôt chiant, je vous l'avouerai. Après, est-ce que lui il lance en même temps que moi? Donc moi j'ai changé le temps parce que en soleil. Je prenais vraiment que dalle, même lui m'a dit, bah, comme vous pouvez voir dans le chat, que en soleil il en a pas pris un seul, et je vous avoue que moi c'est pareil, mais bon, par temps de pluie j'en ai pas pris un non plus, donc. Donc voilà, ouais, bon bah là, oui, il me dit si tu vas ailleurs, dis-moi et je viens, bah oui, mais. Donc, je vais refaire une ellipse, hein. Écoutez, tant que je le sors pas, je ne vous laisse pas tomber, les amis. De toute façon, j'ai pas forcément la bonne canne. D'habitude, avec ma canne pour ici, je lance à plus de 60 mètres. Donc, voilà. Bon, allez, à tout de suite. Bon, bah écoutez, les amis, c'est un chou blanc pour moi, je m'avoue vaincu. Ce poisson m'énerve. Donc je suis vraiment désolé pour la vidéo, j'aurai pas une preuve à la pluie sous le nez, mais sachez que Démon 51 ici même, je pense pourra vous le confirmer dans les commentaires que c'est bien ici, c'est bien les bonnes heures, c'est le partant de pluie tout ça, car lui il en a pris au moins 6 je crois. D'ailleurs normalement si je fais ça,
Non, c'est pas comme ça. Autant pour moi. Je me suis trompé. Hop. Profil du joueur. Voilà. Faire ton garpic. Ah ben non, même pas. C'est albinos fantôme. Oh, un petit garpic de 19 kilos. Oh non, c'est honteux. Alors, bref, on n'est pas là pour ça. Son brochet, moyen, historique. Ah, pourquoi il en a deux, lui? Ouais, ça doit être un bug. Parce que c'est exactement les mêmes. Enfin voilà, il est là. Si vous regardez ma précédente vidéo qui vous parle de l'événement, justement, il a mis plein de commentaires avec plein de photos, des liens avec des photos qui montrent l'endroit, ses prises, tout ça. Donc voilà, c'est des bonnes preuves à l'appui quand même. Donc sur ce, les amis, je vous dis à la prochaine. Démon 51, merci à toi encore. Je vous dis à la prochaine, à tous, bonne pêche, portez-vous bien, ciao ciao!